n'existe plus. Tu ne me penses plus. Je ne te pense plus. Je n'existe plus. Tu ne me peins plus. Je ne te peins plus. Tu ne me penses plus. Je n'existe plus. Tu n'existes plus. J'ai expliqué des fois, je vois des ombres. C'est-à-dire que pris comme tu es là, je suis tellement concentré que des fois, j'avoue, je vois des trucs qui passent, quoi. Alors, des fois, je suis même tétanisé, j'ose pas lever la tête, tellement je sens le truc qui me frôle. Et, c'est bon pour la ville. Ouais, c'est bon. Je gardais celui-là et du coup, toi, il y a le visage, il y a plus de matière. Alors ça, c'est qu'une étape. Après, ils sont desséchés. Là. Le principe justement, c'est sur une même forme, le visage, je dis souvent je creuse, j'essaye de comprendre, j'essaye de me comprendre, et j'essaye de comprendre aussi tout ça. Donc je cherche un visage parmi tout ça. T'es spectateur de ta propre peinture avec ça. C'est-à-dire que tu détermines plus ou moins les orientations de ce que tu veux, mais à chaque fois il y a une découverte de la création. Et donc là, c'est le sens du hasard, toi, quand t'es comme ça, c'est-à-dire que dans la création, j'y mets aussi donc, le hasard. On dit souvent le hasard n'a pas à faire dans la création. Mais c'est justement à travers cette pensée et ce geste, j'ai introduit le hasard dans ma peinture. Ah, regarde, juste parce que tu utilises le pinceau, mais toi des trempés et autres, ça donne quelque chose là. Et malgré tout, je sais que là, ça va s'insérer totalement dans les autres. Parce que là, je suis... En fin de compte, c'est tout bête, hein. C'est pas avoir peur de détruire les œuvres. Je crois qu'on l'a expliqué, c'est-à-dire que ça fait partie de la création de que tout disparaisse. Et généralement, les artistes, ils veulent absolument garder tout ce qu'ils ont. Celui-là va peut-être disparaître dans 10 secondes, et c'est très bien. C'est la dernière bénédiction ? Ouais. Ça, je me suis souvent posé la question, mais c'est un peu ça. Je suis assez d'accord. Ce que tu viens de dire là, c'est une sorte de bénédiction, exactement. En fin de compte, j'aime bien, dans mes œuvres, j'aime bien cette goutte, comme de la pluie. Je sais pas comment te dire ça. C'est pas marre de faire toujours les mêmes têtes. Mais non, parce que ça, c'est de temps en temps, toi. À côté de ça, les crucifixions, il y a tout ça. Donc, en fin de compte, ça s'insère dans le reste. Ça, mais, enfin, tu serais pas une grenouille de bénitier, des fois ? Si, complètement, bien sûr. Je joue avec ça, ouais, ça me plaît. Mais je suis super paradoxal. Je veux dire, moi, dans ma peinture, je suis athée, agnostique et croyant. On a la vanité, allégorie de la vie humaine de Philippe de Champaigne. Donc c'est une œuvre vraiment, vraiment petite, mais en même temps majeure. Le crâne ou tout ce qui est visage, c'est là aussi c'est la recherche de l'individu, quoi. C'est notre recherche à nous. Et le fait du crâne, bah, c'est cette recherche vraiment intérieure au premier lieu, quoi. C'est se dire aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne.
Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et puis l'extérieurement, je sais pas, je trouve que cette mise à nu, en tout cas, sans chair, sans muscle, sans rien du tout, on est sur la pureté des choses, on est sur une espèce de vérité, quoi. Le songe d'Élie. Ce qui me plaît là-dedans, encore une fois, c'est ce côté majestueux de l'ange. J'aime les êtres ailés. Il y a cette légèreté du sommeil, ce repos, et en même temps cette entraide divine qui fait qu'en même temps, il lui dit... le songe d'Élie, c'est ça, c'est le murmure qui lui dit « Écoute, ressaisis-toi, parce que ça va aller quand même. Tu peux traverser ce désert. » ce corps de Christ, qu'on va le retrouver à l'atelier, j'ai envie de le voir, là il est paisible, mais en même temps, moi c'est fou, hein, je déforme les choses, j'ai envie de le voir aussi paisible, mais avec une tronche, quoi, toi, avec un corps. Dans mon travail, ce que j'ai envie de moi, et là où je m'éclate et je me fais plaisir, c'est de reprendre ces icônes et un peu les malmener. Mais les malmener dans un sens qui reste quand même l'essence même de ce côté d'humain, d'humanité. Hier, on a été au musée, parce que là je suis en train de travailler justement... Sur l'œuvre de Philippe de Champaigne. Donc là, je suis en train de placer, on va dire, les éléments. C'est une étape, là. Quand tu vas voir comment ça va se transformer après, autant dire que c'est une véritable étape. C'est-à-dire que je prends du temps à faire mes traits, mais qu'en fin de compte, il va être complètement foutraque dans la réalisation après de la peinture. Tout ce que j'ai en tête à la rigueur, c'est que ce crâne, je veux qu'il soit habité, tu vois, dans le fait de la vanité. Je veux qu'il soit habité. Oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec la vanité, puisqu'un crâne, c'est pas habité? Ouais, je sais, mais en même temps, encore une fois, bon, après, dans toute l'histoire de l'art, moi, c'est pas mon propos. C'est que quand je vois cette peinture-là, je la sens super habitée. C'est toute la force de ce crâne, justement, c'est ce vide. Mais il est habité, enfin, je veux dire, je vois... Tu sens, en fin de compte, qu'il y a comme une âme à l'intérieur. Et comment ça t'est venu de faire de la peinture? Pourquoi? Bon, je sais pas, je vais te répondre la réponse un peu bête depuis tout petit, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça, je crois. Déjà, tout petit, j'étais toujours dans ma chambre à dessiner. Donc j'étais plutôt au départ passionné par la BD, donc je lisais beaucoup de BD. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça. Je l'explique pas plus que ça. Hein. Je suis pas du tout dans une famille d'artistes, au contraire. Je crois que je suis un des seuls, quoi. Et les choses se sont imposées à moi. Alors, c'est quand c'est comme ça, tu sais, hein, les choses... soit tu t'écoutes, ou soit tu t'écoutes pas, mais t'es malheureux toute ta vie parce que tu te dis qu'il y a un manque. Voilà. Et je crois que si j'avais pas ça, il y aurait un grand manque. T'arrives pas comme ça, un jour ou l'autre, en disant « je vais peindre », ça s'est fait vraiment avec le temps. C'est-à-dire que à force de faire, je crois que je me suis pris au sérieux, tout simplement. Au départ, je n'osais pas montrer. Et puis, je commençais à montrer mon travail. Puis, les gens commençaient à me dire « Ah putain, ouais, c'est pas mal, ça. Vas-y, continue. » Donc, je continuais aussi. Et puis, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a un travail qui se met en route. Il y a un style. Et puis, les choses s'imposent. Et puis, tu dis « Non, tu peux plus... » Enfin, voilà, quoi. Après, tu as la recherche. Ah bah, tu dis que tu peux plus aller en arrière, c'est ça? Ah ouais, je me vois pas... Oui, bien sûr. Ouais, je crois que c'est définitif, quoi. C'est comme ça. Je crois que j'ai envie de faire passer un message à travers ma peinture, quoi. Voilà. C'est mon côté, on va dire, citoyen militant. Et c'est quoi ce message? Alors, le message, je crois qu'il est là, hein. Tu vois, c'est ça, c'est ce corps, cette pietà, c'est en même temps un côté humaniste, quoi. Mais c'est pas un côté religieux? Ça peut rejoindre la religion... De toute façon, dès que tu parles humaniste, d'humanité et autres, tu rejoins aussi facilement la religion, quoi. Mais en même temps, attention, avec beaucoup de précautions, quoi. Ce qui me plaît, c'est ce message-là, toi, cette assistance, même dans le décès ou la perte d'un proche ou de quelqu'un. Et puis toi, cet ange-là, prêt à défendre en tout cas tout ça, prêt à mordre. En tout cas, l'ange là, dans le coup, dans la peinture, il est dans la défensive, tu vois. Mais en même temps, l'ange, c'est la protection. Les anges, normalement, ils sont là pour protéger et en même temps,
cette partie-là, on va dire, toi, ça, ça échappe pour l'instant, et cette partie-là, toi, elle est connectée au reste. Donc c'est plus dans ça, quoi, c'est le côté neuronal. Donc, alors après, bah, tu sais, le lien, l'histoire, l'histoire, après, elle se raconte, c'est-à-dire que ça va m'amener après à cette Vierge. C'est comment elle va pouvoir répondre à tout ça. Et c'est là que c'est intéressant. Mais il n'est pas mort, là, déjà. Qui est lui? Oui. Ouais, peut-être qu'il est aussi dans un grand repos. Ouais, ça, c'est l'image qu'on a de la Pietà, mais... Il dort ou il est mort? Je sais pas, hein, mais peut-être entre deux, quoi. Mais il faut qu'à un moment donné, il y a un message qui se crée, quoi. Toi, il faut qu'il discute plus que ça. Il y a une discussion, hein. Et ce que j'aime, justement, de cette peinture religieuse, c'est le silence qu'on peut y mettre. Alors, tu peux être dans l'énergie de la peinture, mais j'aime toujours être toujours dans les oppositions, tout le temps. Mais je suis même, moi, complètement dans mes contradictions, tous les jours. Hein. Toi, religieux, non religieux, enfin... Mais parce que je trouve que c'est intéressant. Ça me libère de tout ça, quoi. C'est-à-dire que je peux être autant athée, agnostique, croyant, dans une même peinture, sur un personnage, enfin... C'est ça qui est intéressant. Et pas être orienté, justement, comme cette période commanditaire où tu devais faire un axe. Donc c'est vrai que dans mon travail, il y a des choses qu'on va trouver très très religieuses, et puis d'autres qui vont dire oh, « putain, mais c'est un anard, quoi ». Oui, j'aime ce principe-là, justement. Je vis avec ce monde sans problème. Mais c'est pour ça que je l'accepte ma façon. En le mettant dans ma peinture, je libère aussi des choses, moi, qui me fait du bien. Mais en même temps, c'est une réalité que ce monde ne va pas bien. Point barre. Genre, voilà. Il faut pas se voiler la face. Donc voilà, ça, c'est la partie dessin que j'ai, on va dire, une espèce de gabarit qui m'a servi pour ce vitrail. Donc, je suis parti sur deux centres de croix de Rubens. C'est vraiment le genre de peinture que j'aime bien, quoi. Et en même temps, après, j'ai enlevé, moi, ce que je voulais pas, les cheveux, les barbes, tout ce genre de choses. Et puis, en fin de compte, j'ai épuré un peu plus les choses. Et en fin de compte, cette descente de croix, c'est ma descente aux enfers. Bah, je trouve que... Dans ma peinture dessin, il manque du volume, dans le sens où je verrais très bien ce genre de travail au milieu, en tout cas, posé au milieu d'une pièce, pour que ça puisse, au contraire, ça y met quelque chose de très lumineux, de volume, de... Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Et en même temps, on est dans cette logique iconographique, au-delà du thème aussi utiliser un peu les objets, mais toujours encore une fois d'une façon non officielle, parce que c'est pas du verre, c'est du plexi par exemple. Donc ça j'aime bien, c'est-à-dire que c'est récupérer encore une fois le thème iconographique, mais comment on peut le travailler à notre sauce, je dirais avec peu de moyens, mais que ce soit quand même assez efficace. Là c'est un de mes premiers essais qu'il y a sur ce type de support. Pour l'instant j'en suis pas trop content, dans le sens où je trouve que les détails sont un peu éliminés, quoi. Par rapport au papier, où le papier est génial, on a vraiment on a tous les détails, quoi. Vraiment. La toile, pour l'instant, j'ai du mal. Alors, c'est une question d'encre. Il faut tout adapter aussi, hein, le support, les encres et autres. Ah, comment ça va depuis... Depuis avant-hier. Maintenant, une expo, faut déjà que tu sois toujours, présent, quoi, médiatiquement. Il faut que tu fasses une expo pratiquement tous les mois. Et puis en même temps, en faisant une expo à chaque fois, il faut que tu présentes en plus des choses nouvelles.
Alors ça, c'est le truc de malade. C'est de la zapette de l'art contemporain. Toujours présenter des œuvres. Alors, une œuvre comme celle-là, comme tu l'as présentée au moins une fois ou deux fois, on te dit « Oh, mais on l'a déjà vu. » Je dis « C'est un truc de malade, quoi. » Donc, toi, je lutte contre ça. Je m'en fous, c'est pas mon problème, ça. Mais c'est que les gens se reçoivent la zapette. C'est-à-dire que maintenant, un travail d'artiste, tous les 5 ans, à l'arrière, il faudrait qu'il change complètement de style, qu'il fasse des trucs de monumentaux, enfin, des trucs de malade, qui déchirent, alors qu'avant, tu prenais 20 ans à le faire. La galerie de personnages te regarde, comme toi, tu regardes la toile. Enfin, dans ma peinture, c'est souvent frontal. Les personnages regardent. Généralement, ils ne regardent pas ailleurs, ils regardent vraiment droit devant. Donc, droit devant, bah, c'est nous, c'est toi, quand tu es devant, quoi, quand, de passage. Mais j'aime bien cette confrontation à chaque fois dans la peinture, d'être confronté directement avec la peinture. Ça me plaît. Et j'aime bien quand la mise en condition de l'exposition, sur certaines toiles, c'est intéressant parce que là, on est confronté, enfin, le spectateur est confronté avec la toile, mais la toile aussi confrontée avec le spectateur. Salut. Tu vas bien? Ouais, très bien. T'as eu le message, non? Non, enfin, on a appelé. On ne savait plus si c'était dans l'ancien bâtiment, celui-ci, auprès de la mairie. J'ai de... aucun message. Ouais. De tous, c'est celui-là, je trouve, qui est le plus intéressant. On retrouve. Ouais, celui-là. J'aime bien celui-là. Ou celui-là. Dans les faits. Ouais. J'aime bien celui-là, et par contre, au niveau du visage, ici, je trouve qu'il est encore plus prononcé. C'est pas lui. C'est intéressant de suivre l'artiste et de le voir aussi dans son milieu, dans son atelier, avec des toiles qui sont en préparation, des travaux en préparation. Là, il travaille aussi sur de la sculpture depuis quelques semaines. Donc voilà, c'est toujours une satisfaction de continuer de suivre l'artiste. Alors l'œuvre, on l'a chez soi, on l'apprécie au quotidien, mais de voir aussi ce travail en amont, avant notamment ses prochaines expositions dans quelques mois, là, c'est vraiment, ouais, c'est un travail très intéressant. Je suis très satisfait d'aborder aussi, c'est la première fois que je le fais, d'aborder une œuvre, un artiste, voilà, quand on le connaît bien et on a un rapport avec lui. J'ai rencontré Stepka il y a 2 ans maintenant, lors d'une rétrospective ou une exposition plutôt sur la scène nationale à Alençon. Et donc c'est un peintre que je ne connaissais absolument pas. La première rencontre a été assez forte, c'est une peinture très, très puissante qui parle tout de suite. On dit toujours que l'art doit parler à l'âme, et là vraiment, voilà, il y a un lien très fort qui s'est fait et j'ai vraiment accroché d'emblée. Voilà, donc j'ai acheté quelques tableaux. Et ces gueules d'ange, en fait, on les apprécie à différents moments. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau regard sur elles. Il y a une communication qui se fait et les choses qu'on voyait au départ, on en voit des nouvelles. Il y a un lien qui se crée en fait. C'est des tableaux qui sont assez paradoxaux parce que c'est quand même très violent. Il y a quand même toute la turpitude, c'est très noir. Et en même temps, paradoxalement, il y a une certaine tendresse. Et justement, c'est cette peut-être tendresse-là, ce lien un peu plus humaniste, parce qu'en fin de compte, on pourrait croire au départ que c'est quelque chose de très violent. Et ça, voilà, il y a un lien qui se fait, et ces gueules d'ange, si au premier abord, effectivement, elles sont plutôt violentes et voire repoussantes, à force, on les apprécie et on comprend le nom qu'elles peuvent avoir. Voilà. C'est tout le paradoxe en fait, hein, du travail de Stepka.